pesa yo de di. Tamena gana pesa yo di. Tamena pesa yo di. Tamena gana pesa yo di. Otalo bi. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 48. Psaume chapitre 48. Nous lisons. Psaume chapitre 48. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté, au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart. Examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière nos croix sanglantes. Oh, qui sait
ressuscité. Tu es ressuscité, notre Père, notre Dieu. Tu t'es levé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit le troisième jour, tu te lèveras, mon Sauveur béni. Louange et honneur à toi. Parce que réellement, tu as tenu ta promesse à toi, tu es vraiment le véritable. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir réellement prier ce Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes vivants, mais c'est parce que toi, tu as vaincu la mort, mon Sauveur. Merci encore pour tes compassions, pour la consolation que tu donnes, Père oh Dieu, à chacun de nos Père Saint-Dieu, de pouvoir réellement réaliser que, oh Père, tu puisses nous placer réellement sur ce chemin que toi, tu voulais que nous soyons, mon Sauveur. Merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon roi, que ton peuple a pu chanter avec allégresse, mon roi. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, Père Saint-Dieu, et tu as dit que la louange sied aux hommes droits. Tu veux la louange qui sort d'un cœur pur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, l'adoration qui sort vraiment d'un cœur pur, mon roi, ce que toi, tu veux que tu attends de ton peuple, Père. Nous te disons encore merci. Merci d'avoir pourvu pour ce chemin-là, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions être dans la condition que toi, tu voulais, Seigneur, afin de rendre un culte qui te soit agréable, Père. Ce matin, nous sommes heureux, Père Dieu, de chanter ton nom à toi, bien-aimé Père Tibissant, de célébrer réellement ta victoire, mon bien-aimé Père Tibissant, et les merveilles que tu accomplis encore jusqu'à ce jour parmi ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le grand conquérant, mon roi. Oh Dieu, le victorieux de Golgotha, Seigneur, tu as vaincu les principautés, bien-aimé Père Tibissant. Tu as vaincu, Père Saint-Dieu, et tu te dis là, Père Tibissant, oh Dieu, tu dis, je suis vivant au siècle des siècles, mon roi. Oh, pour l'éternité, mon bien-aimé Seigneur, gloire à toi. Ce matin encore, nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour le bonheur que tu nous donnes, Père Tibissant, Dieu, de pouvoir t'avoir parmi nos personnes, Dieu. Tu l'as dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis vraiment au milieu d'eux. Et nous sommes vraiment conscients et nous avons vraiment les témoignages de cela, mon bien-aimé Père Tibissant. Jamais tu nous as abandonnés, Père. Louange et honneur à toi. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs, partout où ils sont encore aujourd'hui. Que ta grâce et ta bénédiction leur soient accordées, ton soutien, ton secours aussi, Père Saint-Dieu. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage que ta main conduit par. Nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréable. Merci encore pour ton peuple qui est venu de loin comme de près, rassemblé en cet endroit, étant aussi patient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, te chantant aussi de tout leur cœur, mon bien-aimé, parce que tu es digne de louange, digne d'adoration, mon sauveur bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi donc la gloire qui te revient. L'honneur qui te revient aussi, Père Tibissant, oh Dieu. Tu es merveilleux, Père Saint-Dieu. Viens, merci parce que tu vis, Seigneur, et que ta bénédiction soit sur ton peuple, car nous t'avons ainsi demandé cela, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit vraiment exalté. Il est digne d'adoration. Et nous le remercions pour son soutien, son secours. Que Dieu, notre Sauveur, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux de pouvoir vivre dans un temps comme celui dans lequel nous vivons, où nous pouvons voir que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, il témoigne réellement qu'il est le Dieu véritable et qu'il a la puissance et le pouvoir de s'assujettir effectivement toutes choses dans les cieux et aussi sur la terre et sous la terre. Et c'est lui qui domine et qui contrôle toutes choses. Et il a la puissance effectivement de dire ce qu'il veut que ce soit, comme la Bible le dit, quand il dit la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle existe. Et c'est lui donc qui a donc l'autorité suprême de pouvoir déclarer les choses et que les choses soient exactement comme il donc les désire. Nous servons le Dieu véritablement vivant et vrai et qui lui-même a eu à pouvoir exprimer sa parole en disant que la vérité sort donc de ma bouche. Et nous sommes certains que ce que lui il déclare, c'est vraiment la vérité, mais 100%. Et que ce qu'il a déclaré, c'est vraiment aussi la parole qui a en elle aussi la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de parole de vie, en fait.
Tout vient de lui, effectivement. C'est lui qui est l'auteur de la vie qui anime, effectivement, dans toutes choses, et aussi le créateur de ce qui est visible et aussi invisible. Nous le remercions réellement pour la grâce que nous avons trouvée, nous, les humains, sur la terre, de pouvoir réellement avoir accès à lui. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons l'appeler, quand nous invoquons son nom, comme étant notre Père. Et ça, c'est vraiment une grâce extraordinaire que nous avons obtenue de lui. C'est pour ça que, en toute chose, c'est lui qui doit recevoir les honneurs et la gloire, effectivement aussi, et tout ce qui lui revient aussi de plein droit. Et lui aussi, il fait aussi ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut aussi. Que notre Seigneur et Sauveur puisse aussi consoler notre frère Eric qui a perdu donc sa grand-mère. Je crois que vous connaissez le frère Eric. Il a donc perdu donc sa grand-mère et j'ai eu de nouvelles de la part de son père, de ses parents. Ils sont vraiment très attachés à nous et son papa est resté toujours pareil, avec autant d'amour, de respect. Il vous aime beaucoup aussi. Sa maman, pareil aussi. C'est un moment difficile aussi pour la famille là-bas. J'ai eu à pouvoir leur transmettre effectivement les condoléances de l'Assemblée, donc de chacun de vous. Et il vous remercie aussi de la compassion que vous avez aussi eu à pouvoir compatir aussi, puisque nous allons prier aussi pour notre sœur Marie Chantal a perdu sa cousine. Et cela s'est passé, je pense, ici en France. Donc, c'est un moment aussi très difficile. Vous savez, comme nous avons eu à pouvoir passer par cela aussi, quand on perd quelqu'un, ce n'est pas une chose facile. Et la personne qui a perdu quelqu'un a toujours besoin d'entendre quand même quelqu'un qui l'appelle. Oui. C'est que, comme la Bible nous a clairement dit aussi, et nous sommes heureux de ce que le Seigneur nous enseigne, pleurez donc avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent aussi. Mais elle dit clairement aussi bien, elle dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Parce que quand on est dans la maison de deuil, c'est là qu'on se rend compte effectivement de la finalité de tout un chacun de nous. Et là, on comprend très bien de ce que l'Ecclésiaste l'a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Nous amassons beaucoup de choses, mais pourquoi? Parce que lorsque nous ne partirons avec rien. Ça que nous voulons prier notre Seigneur, qui est le consolateur, puisse vraiment consoler notre frère Eric et aussi notre sœur Marie Chantal. Tendre Père et précieux Sauveur, quel bonheur de pouvoir t'avoir, toi qui as dit que tu as vaincu l'enfer et la mort, mon bien-aimé Père. Nous nous réjouissons de pouvoir avoir un Sauveur merveilleux comme toi, comme nous le chantons. Quel Sauveur merveilleux je possède. Sur la terre, tu as permis que nous puissions te connaître, toi, et enfin que, comme tu l'as dit aussi dans ta parole, que nous pouvons et nous réaliserons, que nous saurons aussi, que nous puissions arriver à pouvoir expérimenter, car nous sommes donc passés de la mort à la vie, Seigneur. Voilà que la mort a frappé aussi, Père Saint-Dieu, la famille de notre frère Eric, sa grand-mère qui est partie. C'est une personne qu'on m'apporte beaucoup dans le cœur. Une grand-mère, c'est la personne où on se sent bien à l'aise avec. Mais aujourd'hui, notre frère Eric a perdu sa grand-mère et la maman a perdu sa maman. Mon Seigneur et mon Dieu, je te demande grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu puisses consoler la famille tout entière. Tu connais l'amour qu'ils ont aussi à notre endroit, l'attachement que cette famille aussi à notre endroit. Seigneur, nous te prions de tout notre cœur, que tu puisses vraiment le
consoler, sois béni. De même pour notre précieuse sœur Marie-Chantal Mauroy, que tu puisses vraiment la consoler aussi, Père, la famille entière, les fortifier, les soutenir, Mauroy. La perte d'un être est toujours un vide qui reste quelque part, dont on ne sait pas combler, mon roi. Mais tu es le Dieu qui accorde le secours et le soutien. C'est toi qui console aussi, Père Saint, parce que tu es le consolateur, mon bien-aimé Père. Nous te demandons cette grâce de pouvoir le soutenir, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons donc pour que nous puissions lire dans le livre de Proverbes. Et cela, je pense que... Proverbe. Chapitre 14, je pense. Là. Proverbe 14, nous lisons le verset 5. Il dit... Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit de mensonges. Amen. Tendre Père, précieux Sauveur, Maître béni, toi qui es l'auteur de ta parole, nous te demandons grâce encore ce matin, Seigneur. Nous avons tous besoin de ta lumière, d'être éclairés, d'être instruit, enseigné par toi. Tu l'as dit toi-même, mon Père Saint-Dieu. Oh, je reviens à toi, Père Saint-Dieu, sur la base de ta parole que tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons tous besoin de toi. Parce que quand toi, tu enseignes, c'est toi, tu mets ton sceau et ça reste gravé dans chacun de nos pères, dans l'âme, dans la mémoire, dans tout, mes mains, Père Saint-Dieu. Et nous sommes réellement victorieux parce que ta parole à toi, Père Saint-Dieu, c'est vraiment une puissance. Sois béni pour cela, mon Sauveur. Pardonne-moi, mon Maître béni. Je ne suis qu'un homme avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de faiblesses, mon bien-aimé. Tu connais cet homme, Sauveur béni. Mais c'est dont nous avons besoin et j'ai besoin. Et c'est la vérité, Père. C'est de toi aujourd'hui encore. De nous aider, Père, parce que nous venons pouvoir la lire et l'entendre aussi, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas être contraires à toi. À ce que tu attends de nous, Père Saint-Dieu, qu'est-ce que je gagnerai? Je te demande grâce. Père, tu es notre roi. Nous t'aimons parce que tu es vraiment notre Dieu. Sois béni pour l'autorité que tu as sous ton église à toi, Père Dieu. C'est ton église. Tu l'as dit, je bâtirai mon église. Merci pour ce peuple qui est à toi, qui t'appartient, Seigneur, que nous sommes tous là pour pouvoir t'entendre, Père, quand nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Nous remercions notre Dieu parce que il est celui qui a eu à pouvoir aussi exprimer la parole que il veille sur son peuple, effectivement, il s'y soucie, il en prend soin, certainement, c'est vrai. Et aussi, c'est celui aussi qui l'enseigne aussi parce que il a eu à pouvoir déclarer dans les Saintes Écritures que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et celui qui a déclaré cela, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Parce que il veille certainement sur ceux-là que lui-même a eu à pouvoir se choisir et en prendre aussi possession comme étant sa possession à lui, sa propriété, effectivement. Et nous le disons aussi souvent que nous sommes le troupeau de son pâturage que sa main donc conduit. Nous le voyons aussi dans les Saintes Écritures, lorsque il est venu effectivement dans cette nouvelle alliance, montrant effectivement qu'il était et il s'est fait chair comme la Bible l'a dit effectivement ainsi, et c'est lui-même qui a eu à pouvoir déclarer en disant « Je suis donc le bon berger ». Et il dit aussi clairement que mes brebis reconnaissent ma voix parce que je les appelle par leur nom et ils entendent ma voix et puis le reconnaissent ma voix et je les appelle aussi tout par leur nom chacun pour montrer qu'effectivement que je les connais individuellement, que je ne traite pas avec des groupes mais je traite avec des individus. Donc il appelle chacun par son nom.
pour que la personne qu'il appelle effectivement comprenne que c'est moi la personne qui suis concernée et que Seigneur, s'il m'appelle par mon nom, c'est pas une autre personne. C'est qu'il me connaît effectivement. Il dit, je les appelle par leur nom, chacun par son nom, et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais je les fais sortir. Il fait sortir de la masse. Chacun individuellement, effectivement, il est fait sortir de la masse parce qu'il a toujours eu à pouvoir dire qu'effectivement, comme il n'est pas venu chercher les brebis de quelqu'un d'autre, en fait, il est venu chercher uniquement et exclusivement ses propres brebis. Et là, nous avons eu la grâce de pouvoir également aussi voir les tableaux et l'image, effectivement, qui nous est donnée. Parce que si nous revenons à cela, effectivement, nous pouvons regarder qu'en réalité, que comme il a fait savoir que les brebis reconnaissent sa voix, ils connaissent effectivement qui il est, et parce que qu'il les appelle par leur nom, effectivement, il démontre que réellement que ces brebis-là, ce sont donc ces brebis qui lui ont toujours appartenu, en fait. Ce n'est pas que, bon, il a eu à pouvoir dire, bon, je viens comme ça, et puis je regarde, et puis je choisis celui-ci. Non, en fait, il vient simplement pour appeler ceux qui sont à lui. Sa propre propriété qu'il connaissait, qu'il possédait déjà, en fait. C'est pour ça que, dans toujours dans les livres de Jean, chapitre 10, plus loin, il dit aussi, il dit, nul ne le ravira de ma main. Donc, ils sont gravés à la paume de ma main. Vous savez, lorsque nous entrions dans les âges des églises, effectivement, je vous l'ai dit ici, qu'effectivement, on nous dit que ces étoiles sont donc dans la main. Ça vous souvenez, non? Il les tient donc dans sa main. C'est dans la même main, effectivement, aussi, qu'il dit aussi que ses brebis sont gravées dans sa main. C'est qu'il tient aussi ses brebis dans sa main. C'est-à-dire que nous comprenons qu'effectivement, qu'il tient et qu'il veille à ce que ses brebis à lui arrivent réellement à la connaissance parfaite. C'est pour ça qu'il a veillé aussi. Même quand il est mort pour eux. Quand il est ressuscité aussi pour eux. Et quand il est monté plus haut, il est monté aussi pour eux. Parce qu'il nous a dit qu'effectivement, étant monté en haut, il a fait captif la captivité et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme, pourquoi? Pour le perfectionnement. Voilà. Donc effectivement que nous pouvons comprendre que le regard du Seigneur sur son peuple ne pourra jamais se détourner pour arriver à pouvoir dire, bon, je les ai jamais. Dieu, notre Sauveur, il veillera effectivement sur les siens. Et c'est pour ça que il a dit lui-même qu'effectivement que je suis un Dieu qui est très jaloux. S'il a dit qu'il est jaloux, il est vraiment jaloux. C'est pour ça qu'il nous répète encore, il nous le dit effectivement dans Exode 20, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant. C'est-à-dire que dans ta vie à toi, en tant que brebis à lui, tu ne peux avoir personne. Pas une femme, pas un homme, pas une maison, pas les biens, que tu peux aimer plus que, à tel point que quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre. Impossible. Parce que il veut pas que ton cœur soit partagé. Il le veut. Il dit, donne-moi ton cœur. C'est ça. Je vous l'ai dit ici, frères et sœurs, que Dieu est toujours très exigeant avec ceux qui sont à lui. Pas avec tout le monde. C'est pour ça que beaucoup se permettent, ils se sentent, il n'y a pas de problème. Ils disent que rien ne me condamne. Quand rien ne te condamne, c'est qu'il n'y a rien dans ton cœur qui peut te condamner. Mais par contre, en rapport avec son peuple, son troupeau, ses brebis, il y a le trône des jugements là. Ah oui,
vous ne pouvez pas échapper, en fait. Ça, c'est en vous. Ça. Vous n'avez pas besoin que le pasteur vous dise, ou qu'un frère vous dise, une soeur vous dise, vous-même. Là où vous êtes effectivement seul, quelque part. Même quand la pensée vient, même quand vous voulez poser la... Vous sentez que non. Vous sentez que vous perdez le contrôle. Parce que là-dedans, on te dit, monsieur, ça, c'est pas à toi. Alléluia. Oui, monsieur. Non. Il est vraiment Dieu. C'est dans mon frère et ma soeur, nous devons arrêter de jouer. Il veille sur sa propriété et dans le moindre détail. C'est pour ça que quand vous vous permettez de faire n'importe quoi, même quand on vous donne des conseils, ceci et cela, vous vous sentez vous-même effectivement chef de vous, responsable de vous, que vous pouvez vous permettre effectivement, il n'y a pas de problème. Non, le livre de 1 Jean, je pense. Au chapitre 1 Jean, oui, je pense, chapitre 4, je suppose que c'est cela. Regardons. 1 Jean, chapitre 4. Et je pense que c'est cela. On trouvait que tu nous aides. Oui. 1 Jean, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 4. Écoutez bien. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes donc de Dieu. Ça veut dire que vous appartenez à Dieu. C'est clair, hein? Vous êtes donc de Dieu, donc vous appartenez à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, ce qui veut dire que nous pouvons lire dans 2 Pierre, 2 Épître de Pierre, c'est cela, oui, chapitre 1, le verset 3, il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous vous souvenez? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire que toi et moi, nous ne pourrons pas ne pas connaître celui à qui nous nous attachons et que réellement aussi celui auquel nous appartenons. C'est impossible. Parce que si toi, tu ne sais pas à qui tu appartiens, tu ne sais pas avoir une position juste et claire. Vous savez, nous allons continuer parce que nous allons revenir dans le livre que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Jean 21. Vous savez, il a dit à la femme samaritaine une chose. Quand elle lui a donné toutes les explications en lui parlant, en fait, vous êtes, il faut l'adorer, il faut aller à Jérusalem. Il dit, la femme leur vient. Et elle est déjà venue. Ou ce ne sera pas cette montagne que vous adorerez le Père. Non. Il dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème, hein? Et souvenez-vous encore, mon frère et ma soeur, ici, vous l'entendez quand même souvent, ça n'a pas une habitude. Il a posé la question à ses disciples, et pourtant il était avec eux, il dit, mais qui dites-vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme? C'est toujours très important de pouvoir être sûr et certain de la personne. Jamais dans les tâtonnements ou dans le peut-être ou dans l'incertitude, ça ne pourra jamais marcher. Il faut que je sois sûr et certain de la personne. Alors, on nous dit, et donc il dit mais au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous suivez, non? Lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse.
Donc, si réellement nous ne connaissons pas vraiment cet homme, comment pouvons-nous savoir effectivement ce qui nous revient des droits qu'il nous a donnés? C'est ça le grand problème. Voilà pourquoi, je continuerai, le Seigneur, notre Dieu, en fait que vous saisissez, a toujours veillé à ce que son peuple, il dit, séparez-vous. Ce peuple doit être séparé. Parce que Dieu, notre Seigneur, il veut que son peuple le connaisse, mais alors le connaître vraiment, la manière dont Dieu veut qu'il soit connu. C'est quand il vous sépare. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Entre la lumière et les ténèbres. Et il n'y a aucun rapport. Puisque lui-même a montré qu'il ne devait pas y avoir association. C'est pour ça que dès le premier moment, il a dit que la lumière soit. Et la lumière, et la Bible dit que Dieu lui-même sépara, pas un frère, pas un prédicateur, mais Dieu lui-même sépara la lumière d'avec eux. Parce que Dieu est, bien sûr que cela est vrai. Alors, ça a toujours été la nature de notre Dieu depuis les débuts et ça sera ainsi jusqu'à la fin. La séparation d'avec l'incrédulité, séparation d'avec des incrédules. Oui, messieurs. C'est pour ça que quand il rentrait dans un endroit pour prier pour quelqu'un, il s'est dit, il y a trop d'incrédulité, il dit, sortez. Il ne restait qu'avec les croyants. La Bible n'est pas un livre comme un photoroman. C'est la parole de Dieu, en fait, qui nous montre les caractéristiques et la nature de Dieu et ce qu'il est. Si tu joues un jour, tu vas pleurer. Tu le regretteras parce que ça sera déjà trop tard. C'est une grâce, mon frère et ma sœur, qu'aujourd'hui encore, parce que très bientôt les choses vont changer, qu'aujourd'hui nous avons la grâce de pouvoir nous asseoir et de pouvoir tenir ces livres. Un jour, vous direz combien ce livre était tellement merveilleux, important, on ne s'y rendait pas compte. C'est pour ça qu'il est vraiment, c'est peu importe l'état, la situation qu'on peut. Je disais à mon frère, vous avez d'ailleurs les salutations de vos frères et sœurs qui sont donc en France. J'y étais. Alors je disais à mon frère, regardez. J'ai dit, réfléchis, pense. Quelle est la chose qui serait tellement plus importante que la parole de Dieu pour toi dans ta vie? On a beau vous parler des choses qui concernent Dieu, mais parfois, il y a trop de choses charnelles dans vous que vous avez difficiles. En fait, c'est comme, oui, c'est une chanson qu'on vous chante. Je vous pose la question, je dis, mais quelle est la chose qui serait pour toi plus importante dans ces bas mondes, sur cet état? Je vous pose la question à vous aussi, ne répondez pas, hein, mais je vous pose la question à vous aussi. Quelle est la chose qui serait la plus importante pour vous dans ce bas monde, ici où vous êtes, par rapport à la parole de Dieu, en fait? Et quand je parle de la parole de Dieu, je veux que vous puissiez voir ceci. Toute la parole que nous avons ici, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est là qu'on dit que c'est le commencement et la fin. Donc, en grec, donc l'alpha et l'oméga. Donc, tout ce que vous avez ici, c'est une personne. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, c'est Jésus dont on vous parle. C'est bien la Bible. C'est pour ça que je pose la question. Réfléchissez bien. Ne répondez pas vite à non. Parce que vous devez bien vous connaître aussi.
Et puis réfléchissez quand même un peu. Quelle est la chose sous cette terre qui serait tellement, tellement plus importante que cette parole que vous entendez, en fait. Parce qu'on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était, et toutes choses ont été faites. Au verset 14, on dit, la parole de Dieu a été faite. Et nous avons contemplé comme la gloire du Fils, celle engendrée, venue du Père. Et son nom est Jésus, le Christ. Jésus est la parole de Dieu. Alors, quel est, ne vous précisez pas, parce que sinon, comme nous l'avons entendu dans les Saintes Écritures, dans les livres de Proverbes, on nous dit une chose, nous réalisons, nous retournons dans le verset qu'on a lu, mais je voulais quand même vous ramener encore là-bas, hein. On nous dit une chose dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, que nous avons lu tout à l'heure, il dit ceci, un témoin fidèle, il ne ment pas, mais un faux témoin dit donc des mensonges. Alors quand vous répondez, faites bien attention. Sonde-moi, ô Dieu. Éprouve-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis une mauvaise voix. Alors sonde-toi, éprouve-toi. Regarde-toi à l'intérieur, la réponse que tu vas donner. Oui, mon frère. Vaut mieux, mon frère et ma soeur, être jugé maintenant. Parce que le jugement commence dans la maison. Ah ah. Quand tu es jugé ici, alors là, tu es justifié. Tu peux partir tranquille. C'est la grâce que Dieu nous donne. C'est ce que vous ne réalisez pas, mon frère et ma soeur. Vous combattez, vous ne pouvez pas combattre contre Dieu. Personne n'a jamais réussi. Et personne ne réussira. C'est pour ça qu'il est nécessaire que tu puisses t'éprouver dans ton intérieur à toi, parce que il s'agit de toi et aussi des trônes du jugement. Alors, quelle est donc la chose qui serait tellement plus importante pour toi dans ce bas monde, plus importante que la parole de Dieu? J'ai dit tout à l'heure, ne mentez pas. Parce qu'un témoin fidèle ne ment pas. Un faux témoin, il s'assécierait certain. La question est de savoir de quel côté vous allez vous trouver. Vous savez, quand on parle d'un témoin, il est fidèle, il ne peut pas mentir. Et pour que vous puissiez vraiment répondre à cette question, comme j'ai dit, ne vous précipitez pas, vite donnez la réponse. Parce que, disons, parole que nous entendons toujours et souvent ici, c'est cette même parole qui te sauvera, et c'est cette même parole qui te condamnera. Vous pouvez douter, c'est votre droit. Et ça, c'est sûr. Mais je vous poserai la question de savoir, dans un monde comme celui-ci, quand tu vas au tribunal, on ne va pas te juger comme ça sans qu'il y ait un document sur lequel on se base. Même les hommes, les païens, tout ça, ils ont quand même un document. Ils avaient déjà rédigé. Et on voit des articles dedans. Tu peux faire, mais on va dire, mais tel article. Et puis vous savez ce qu'on dit en fait dans ce monde, nul n'est censé ignorer la loi.
Si on nous dit ça, que Dieu te bénisse. Si l'être humain, aussi méchant, avec tout ce qu'il est, il peut te dire, toi, que quand tu viens ici au tribunal, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne vas pas dire, je ne connais pas, dis non, c'est écrit bien. Hein. Nul n'est censé ignorer. Bien sûr que oui. Et alors, le Dieu créateur des cieux et de la terre, il doit quand même avoir une base sur laquelle... Ah, je l'aime beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est à la reconnaissance que j'ai à son endroit. Quand je regarde et que je vois, j'ai de la reconnaissance. C'est pour ça que je ne répète pas quelque chose pour dire gloire. Non, mon âme tressaille. Parce que je vois ce qui me sert vrai, frère. Nous ne pouvons pas être fanatiques, mais nous vivons pour une personne. Amen. C'est merveilleux, cela. Ah, bah oui. Donc, il doit y avoir effectivement aussi un livre. Oui. Sur base duquel, effectivement, le Dieu très haut va juger. Il n'y a pas un autre livre. Il est Dieu. Amen, amen. Et ces livres-là, toute l'humanité est au courant. Dans toutes les maisons, dans toutes les langues. Mon frère, les témoignages sont là. Nul n'est censé ignorer. C'est les hommes, n'est-ce pas? Mais non, Dieu, mon frère. Oh oui, la parole de Dieu est proclamée. La Bible est lue, gratuitement donnée, dans toutes les langues. Mon frère et ma soeur. Je vous ai posé la question tout à l'heure, quand on parlait. J'ai dit, ceci est la parole de Dieu, la Bible. Donc, ça c'est Dieu sous la forme. Et je vous ai dit qu'effectivement aussi, que la parole a été donc faite. Voilà, donc Dieu jugera par cet homme Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Hein. Vous comprenez. Donc, gloire à Dieu si déjà, toi et moi, nous sommes jugés. Que Dieu nous aide. Et nous puissions comprendre la bonté et la grâce de notre Dieu. L'amour de ce Jésus de Nazareth. C'est lui qu'on appelait l'homme de Galilée. Il y a un canté qui dit, oui, j'aime de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés, oui. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Est-ce que vraiment vous l'aimez? Alléluia! Amen! Amen! Aïe, 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 aïe. Pour l'aimer, mon frère, ouais, il faut l'avoir connu. L'avoir senti réellement cet amour qui émane de lui, en fait. À ce moment-là, vous pouvez... Vous savez, c'est facile de dire que j'aime Jésus. C'est quand vous vous trouvez devant une situation que vous réalisez que c'est seulement des mots qui disent je l'aime. Parce que devant cette situation, il faut prendre une position. Vous comprenez, bien sûr. Sauter du joie, je l'aime, ceci, cela, même jusqu'au plafond. Mais quand la situation est là, oh, que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Alors, il nous dit, de Pierre, donc nous continuons, puis nous retournons dans 1 Jean, hein, il dit, donc, verset 4, lesquels nous assurent de sa part.
les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et vous comprenez ce que je lis? Amen, alléluia. Et Dieu te bénisse. Vous voulez que je recommence verset 3? Comment sa divine puissance, on dit bien sa divine, donc c'est une possession. Donc on parlait bien de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, qui est celui qui t'a appelé? Voyez, si vous connaissez celui qui vous a appelé, vous vous attacherez certainement à lui. Vous ne parlerez que de lui. C'est vrai que Dieu te bénisse. Et vous ne servirez que parce que vous le connaissez. Merci. Vous voyez combien nous avons un adversaire malin. Il est vraiment fin, malin. Le diable, il est malin. Que Dieu nous aide. Si nous n'avions pas la grâce du Seigneur, oui, c'est sûr et certain, mon frère et ma soeur. Mais si maintenant, c'est Jésus, vous n'en vous occupez pas, et il n'est pas tellement très, très intéressant pour vous, alors vous savez où vous êtes déjà. Parce que le malin Satan, vous ne pouvez pas le battre, vous. Vous ne pouvez même pas voir. Parce que pour que vous puissiez voir ces mauvais desseins, il faut que le Seigneur vous révèle. Mais si c'est Jésus, vous le méprisez. Il n'a pas autant d'importance que l'homme que vous aimez dans votre vie. Vous comprenez cela? Comment pouvez-vous arriver à pouvoir vaincre les diables? Vous savez, les gens disent toujours, « Alléluia, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. » Et là, je m'arrête. C'est ce qu'il y a dans la mémoire de beaucoup. Parce que la Bible a dit, celui qui le reçoit, reçoit. Alléluia, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, j'ai la vie éternelle. Posez-vous la question pour pouvoir savoir que Dieu distribue la vie éternelle comme des petits pains. C'est ça le grand problème. Frère, la connaissance que vous prétendez pouvoir avoir. Vous ne direz pas que Seigneur, nous ne savions pas, mais le Seigneur vous instruit. Posez-vous la question, moi, savoir qu'est-ce que cela veut dire croire en lui. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Jean, au chapitre 1. Il nous dit bien que, écoutez bien, à ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire quoi le recevoir? Puis on dit, à ceux qui croient. C'est bien clair là-dedans. Il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir lequel sont nés, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, frère. Il faut que nous comprenions. Ce n'est pas une formule. Hein? Oh, que Dieu nous aide. Notre soeur Carole est venue en Belgique avec son mari. N'est-ce pas? Puis, notre soeur Carole à rentrer aussi, comme notre frère y rentrait. Cette fois-ci, je donne un exemple. Qui est-ce qui peut dire qu'il a reçu Sœur Carole? Non, juste, c'est l'exemple. Hein. Elle est là, on la voit. Mais ça ne va pas dire que vous l'avez reçue. Pour avoir, pour dire que j'ai reçu sa parole, il faut qu'elle soit venue chez vous.
rencontre ici, nous pouvons l'avoir. Mais il n'est pas venu. Donc vous n'avez pas reçu sa parole. À ceux qui l'ont reçu. Mon frère et ma sœur, nous devons dire merci au Seigneur. Amen. Parce qu'il veut nous conduire dans les choses là profondes pour que les diables n'aient plus d'emprise sur aucun. C'est ça le problème. Il a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc quelqu'un que vous recevez, il rentre chez vous. Vous asseyez avec lui. C'est pour ça que il dit lui-même que je suis à la porte et celui qui ouvre, j'entrerai et souperai avec lui. Donc nous resterons ensemble, nous faisons cela. Donc je le reçois. C'est pour ça qu'on nous dit que soyez toujours hospitaliers, non? Ne ferme pas vos portes. Amen. Même si votre lit est très petit, il y a un double matelas qu'on peut mettre. Rien que le fait de pouvoir simplement avoir le plaisir. Parfois, vous avez difficile. C'est douloureux quand on vous observe. La chose que nous pouvons offrir à nos frères et sœurs, c'est simplement le toit. Nous ouvrons simplement la porte pour qu'ils puissent simplement rentrer. C'est pour que simplement que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas vous mettre dans des conditions. Non. Soyez en paix. C'est ce que l'Écriture nous enseigne, ce que nous, en tant que peuple de Dieu. Parce que, mon frère et ma sœur, quand tu es un fils de Dieu, que tu es né de lui, toutes ces choses-là, c'est déjà semé là-dedans. Vous vous souvenez quand même dans le livre des Éphésiens. Vous vous souvenez plus? Vous le savez. Oui, si vous le savez. Éphésiens chapitre 1. Alors, vous voyez. Bon, lisons peut-être plus de Twitter. Puis nous allons retourner là, que vous puissiez voir. C'est ça aussi pour tout. C'est cassé ça. Oui. Éphésiens au chapitre 1. Voilà. Ah. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit béni. Amen. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où c'est? Ah, quand est-ce que toi, tu étais en Christ? Quand est-ce que toutes ces bénédictions t'ont été déjà accordées? Quand tu es venu croire sur la terre? On dit bien parce que là, tu as cru sur la terre. Mais il dit aussi, il dit toutes ces bénédictions dans les lieux célestes où c'est. Et puis, il nous continue, vous allez comprendre. Il dit, en lui, Dieu nous a élu avant la fondation du monde. Donc, avant que tu puisses dire Alléluia sur la terre. Alléluia, amen, amen, amen. Donc déjà, tu étais déjà dans l'Alléluia. Amen. Donc quand tu dis Alléluia ici, c'est parce qu'en toi, il y avait Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous devons l'honneur, le respect vraiment, frère et sœur. Dans les services de Dieu, frère, les choses vont changer.
Et c'est vrai. Non, frère, non. Nous devions de la crainte, nous devons de la crainte. J'ai toujours, et je leur dis encore, je disais ça à notre sœur Evelyne, j'ai dit, oh, les genoux reprennent les services. Ça, c'est important, oui, mon frère. J'ai dit, les genoux, cette année-ci, ils vont reprendre mais les services, hein, avec un zèle. Hein. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, monsieur. Ce ne sera pas des prières de répétition, non. Qui montent du fond du cœur avec la reconnaissance de ce que c'est Jésus est pour nous. Frère, non, vous ne pouvez pas réaliser qu'il est. Non, que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Il est vraiment parfait. Mais alors parfait dans tout le moindre détail. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre que ce qui... Regardez bien ce qui vient. Nous retournons dans 1 Pierre, 2 Pierre. Regardez bien, nous continuons d'abord. Regardez bien. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez très bien, pour l'amour de Dieu. Verset 4, hein. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, quand il nous dit ça, pour que nous soyons ainsi, c'est-à-dire que dans toi, le bien, amen, l'amour, amen, de ton frère, l'amour, oh ben oui, ma sœur. Comme quand il dit, mais au reste, tout ce qui est pur, tout ça aussi, Dieu te l'a donné. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, vous ne devez pas suivre des saletés, des choses à gauche. Qu'est-ce qui fait que des saletés nous viennent nous mettre dans des conditions difficiles, effectivement, que nous commençons à pouvoir se poser la question, parce que, mais c'est à cause des faux témoins. Nous y arriverons. Les faux témoins disent toujours des mensonges. On dit bien le faux témoin. On comprenait, le faux témoin, il dira toujours des mensonges. Il ne pourra jamais dire la vérité. Toujours les mensonges. Tout ce qui peut faire monter et circuler, effectivement, ce ne sera que des mensonges. Parce qu'il n'y a rien de vrai. Alors, il dit que pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pensez un tout petit peu quand même, mon frère et ma soeur. Et tout cela avant qu'il y ait l'atome. Alléluia. Avant qu'il y ait l'étoile. Avant qu'il y ait la terre. C'est pour cela que je peux vous dire sincèrement que Dieu ne peut jamais faillir. Ça ne sert à rien de douter. Vous perdez votre temps inutilement. Ça ne sert à rien de résister. Parce qu'il aura toujours son compte. Il faut qu'on soit sage, qu'on se dise, Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre que toi, tu ne peux pas échouer. Que tout ce que tu diras, ça va s'accomplir. C'est moi qui souffre en doutant. C'est vrai. Le diable ne peut rien, mon frère. Alléluia. Il ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. Si ce n'est que quand Dieu permet quelque chose. Savez-vous que ce qu'il a comme pouvoir, ça vient que de Dieu, mais pouvoir qui a été perverti? Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, si nous avons compris, nous comprenons aussi qu'il n'y a aucun pouvoir en dehors de l'autorité qu'a possède Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit. Il nous a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Moi, je vous donne le pouvoir. Sur toute la puissance de l'ennemi. C'est écrit dans
les livres ici. Et puis il ajoute. Et rien. Amen. Donc rien ne pourra vous nuire. Si il a dit cela, mon frère, même si la maladie me mine dans mon corps. Amen, amen. Amen, amen. Aïe, Satan était. Vous savez, c'est parce que nous ne réalisons pas tellement très bien. Nous l'avons lu avec vous, hein, je pense que c'était mardi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants. Si nous comprenons vraiment les choses de Dieu, ce que Dieu veut que tu puisses comprendre, c'est que, il dit toujours ce qui est vrai, c'est que Dieu veut que tu puisses comprendre. C'est ce que nous allons lire encore ici, hein, deux pierres que nous lisions tout à l'heure. Regardez. Verset 3, nous l'avons lu verset 3 parce qu'il nous dit, c'est lui qui nous a appelés par sa peau pour gloire et par sa vérité. Vous vous souvenez? Verset 4. Lesquels, vous comprenez, non? Nous assurent toujours de sa part. Voilà. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature. Ça veut dire que vous devenez aussi de Dieu. C'est pour ça que... que Dieu soit béni. C'est pour ça que toi, tu as le pouvoir de chasser des démons. Est-ce que tu savais, je parle effectivement au Fils de Dieu, aux filles de Dieu, est-ce que tu savais que c'est toi qui va juger les anges? Ah, vous ne savez pas? C'est écrit. C'est toi, toi, en tant que Fils de Dieu, tu vas juger les anges. Ah oui. L'autorité que Dieu nous a donnée, vous ne réalisez pas. C'est pour ça que les démons tremblent. Et les démons ne veulent pas que toi, tu saches, que tu comprennes ce que tu as comme autorité. Amen. On tremble devant la situation. On tremble, frère, on tremble pour des bêtises. On tremble argent. Et ceci, frère, vous donnez ce qui est plus important à des choses inutiles. Inutile. Vous allez couper la gorge à un frère pour l'argent. Et couper pour le frère, ça. Qu'il prenne, mon frère. Oui, qu'il prenne. S'il se réjouit d'avoir fait du mal, qu'il prenne. Mais il ne sait pas ce que moi, je possède. Vous connaissez les pouvoirs que Dieu nous a donnés, frère. On peut... Frère, que Dieu nous aide. Frère, vous ignorez en fait. Vous donnez tellement d'embrasse. C'est pour ça que je posais la question. Ici-bas, sur la terre. Quelle est la chose qui peut, pour toi, être la plus importante? Parce qu'il peut t'amener à pouvoir devenir foi pour les choses de Dieu. À ne plus être bouillant parce que ça te tracasse de vie tellement si important. Pour toi, à tel point que les ailes n'y aient pas, à tel point que tu ne sais plus chanter Dieu, tu ne peux plus glorifier Dieu, parce que cette situation-là est tellement si importante que la parole de Dieu n'a pas de valeur à tes yeux. Oui. Ah, que Dieu nous aide. Ah, le diable, il est malin. Il te pousse à vendre ton droit d'aînesse pour des bêtises, mon frère. Ce que tu trouves, quoi? L'argent?
Les mariages. C'est pas moi, pas les maisons. Oh, que Dieu m'aide. Amen. Les problèmes. D'abord, le Seigneur, notre Dieu, dans sa parole, il parle bien aux fils et aux filles. Qui par ses inquiétudes dort? Et fils, asseyez-nous quand même. On aime tellement. C'est tellement, ça t'a monté tellement que tu ne sais même plus. Parce que Dieu n'est plus important. Parce qu'à ce moment-là, tu ne penses même plus à Dieu. C'est toujours ça. Ça te travaille là. Ça travaille là dans la tête, effectivement. Des inquiétudes, des problèmes, des soucis, de quoi? Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? C'est-à-dire que tu allonges un tout petit peu. Déjà la question donc qui t'est posée, si tu réfléchis bien, quand nous avons des soucis, on a des problèmes de santé. Donc qui par ses inquiétudes peut ajouter? Ce n'est pas possible. Les inquiétudes, en fait, me rendent malade. C'est vrai. Ça raccourcit, en fait, ma vie. Vous devriez, frères et sœurs, vous, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, parle de moi, être ici, dans ces lieux ici, même le jour où on n'a pas réunion. Parce que vous devez Dieu te dire, mais je dis si, je dois prier, je dois chercher la face de Dieu, je dois, un moment quand je passe quelque part, je dis, ah, j'ai un peu de temps libre. Ils étaient chaque jour assidus. Vous avez beaucoup d'excuses pour des banalités. Mon travail. Donc le travail et les patrons sont plus importants que Dieu, en fait. Mon travail. Ah, le travail, la chasse du travail. Ne me permet même plus d'avoir le temps, frère, pour venir à l'assemblée. Ah, dimanche, on va s'arrêter, même dimanche en question. Il doit trouver peut-être une excuse. Ah, les transports. Je me souviens, frère et sœur. J'étais au Malawi, je prêchais, vous connaissez, il y a, quand j'ai terminé la réunion, beaucoup de gens sont venus, quand j'ai mis la réunion, et puis j'étais dans le véhicule, et on m'a amené maintenant pour aller à l'hôtel, et puis je regardais sur la voie, beaucoup de monde, j'ai regardé, il y avait là, des sœurs avec leur bébé, l'autre avec, je pose la question au frère, j'ai dit, mais toutes ces personnes viennent de... J'ai comme l'impression d'avoir vu quand même cette personne-là. Il dit, oui, ce sont des frères et sœurs qui sont venus donc à la réunion. J'ai dit, mais oh, ils rentrent où? Ils rentrent, ils habitent où? Parfois à 20 km ou à 7 km. Il dit, pardon? Ils vont retourner comment? Ah oui, c'est comme ce matin, ils sont venus à pied. J'ai vu ça, moi, je pleurais. Il dit, et maintenant, après la réunion, ils retournent à pied avec les nattes, avec les enfants de frères, vous êtes dans le confort, hein? Et en plus, étant dans le confort, les problèmes des transports. Un transport, tu es là comme si on doit te langer. Que l'Assemblée achète un hélicoptère pour venir là, que tu montes bien, pour venir écouter la parole de Dieu. Quel sacrifice aurais-tu fait? Qu'est-ce que tu vas bénéficier? Un païen qui veut toujours qu'on puisse les langer, toujours des excuses. Je vous l'ai toujours dit, ici, dit, Dieu ne demande jamais. Il vous dit, il n'attend pas. Vous savez, les explications pour Dieu, c'est pas, il n'en a pas besoin. Toujours expliquer. Moi, je vous l'ai dit ici, moi, je supporte pas beaucoup des explications. Ça me rend mal à l'estomac. C'est pas pour dire, non, c'est la vérité. Je ne supporte pas trop. Explication, enfin, je vais t'expliquer. J'ai pas besoin. Ce sont vraiment des coupables et des païens qui ont toujours besoin de justification. Je vais t'expliquer longuement. Ils pensent qu'à force de parole, ils seront donc justifiés. Mais Dieu, avant même que tu ouvres ta bouche, il est saint. Souvent, vous savez,
On te doit amener les seigneurs au tribunal. Regardez très bien sa réaction. Beaucoup d'accusateurs. Ah, il a fait. Il regardait, on l'accusait de tout le monde. Il ne disait rien. C'est souvent un accusateur, ça qui va être. Il s'est énervé. Et tu dis rien. Pilate a eu à pouvoir faire beaucoup de. Tu ne te défends pas. C'est ça qu'il dit. Il dit, mais. Il dit, mais on t'accuse de tout ça, tu ne réponds absolument rien. Et quand tu répondais, effectivement, c'était court. Lisez les Saintes Écritures, hein, lisez-le. C'est parce que Dieu est comme ça, mon frère. Multiplication des. Ça sert à rien. Quand tu es droit, c'est ton cœur droit qui parle. Amen. Beaucoup de longues choses ici, cela. Dieu nous aide. Effectivement. Alors, je continue vite parce que je n'avais pas voté longtemps. Le dimanche passé, on était. Vous comprenez maintenant mon souci, hein? Apprenez pas qu'il y a encore dimanche ici. Hein? Non. Vous allez vite partir. Que Dieu m'aide. Mais vous savez, quand on rentre dedans, on veut arrêter, ça devient difficile. Hein? Parce que c'est ça que j'ai dit aux frères, c'est dit, pourquoi vous êtes pressés les dimanches? Je vous ai toujours donné un conseil, ne prenez jamais un rendez-vous. Tous les autres jours, vous avez, prenez rendez-vous avec les gens. Mais dimanche, dit, madame, monsieur, aujourd'hui, pas de rendez-vous. Même pour aller manger. Rendez-vous. S'il faut que je reste à Jean, je reste à Jean. Et reste là-dedans. Bon, évidemment, vous pouvez aller manger, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, effectivement. Comme la Bible dit, c'est l'abondance du cœur et la bouche parle. Alors, il nous dit, verset 4a, lesquels nous assurent de sa part le plus grand et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Et quand on dit participant de la nature divine, donc, on a quelle nature? Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens au chapitre 4, oui, c'est là, oui, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous savez, non? Alors si vous, vous devenez participant de la nature divine, alors vous devenez qui? Donc vous faites partie des dieux. Mais puisque ces dieux-là, il dit, puisque moi je suis saint, et que vous avez la nature divine, il faut que vous soyez aussi mon frère et bonsoir, ce ne sont pas des formules. C'est la nature que Dieu nous démontre en fait. Alors, ça veut dire quoi? C'est le verset suivant aussi qui nous dit. Quand nous avons donc la nature divine, elle est en nous en fait. Christ en nous. En nous. L'espérance de la gloire. Tel il est, tel non. Qu'est-ce qui se passe alors quand nous avons cette nature-là? Qu'est-ce qu'il dit? Verset suivant, il dit, c'est bien, hein? Il dit, voilà donc, participant à la nature divine, n'est-ce pas? En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est technique. Quand vous avez cette nature-là, vous devenez comme lui, il est.
Vous me suivez? Amen. Vous me suivez, frères et sœurs? Ce qui veut dire qu'en réalité, ce qu'il est, ce qu'il a en lui, doit se trouver aussi en vous. Et pour ça, on ne va pas vous supplier. Frère, ma sœur, faites un effort quand même pour ouvrir la porte de chez vous, pour recevoir. Ben, c'est écrit. Soyez, il ne parle pas aux païens. Pensez-vous que Dieu ne connaît pas votre maison? Même la taille. Vous connaissez bien. Vous pensez qu'il est étranger? Vous connaissez le psaume 139? Où irai-je? Si je monte au ciel, je suis dans le bas, séjour des morts. Même les ténèbres. Vous comprenez? Donc Dieu vous connaît. C'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Puisque la Bible dit, hein? C'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Maintenant, si vous n'êtes pas encore arrivé au stade-là de pouvoir donner à Dieu ce qui lui revient de droit, comment pouvez-vous espérer de pouvoir partir dans l'enlèvement? Ce n'est pas Dieu qui vous éjecte. Dieu n'a jamais fait ça. Il dit, je ne rejette pas moi tout celui qui vient à moi. Et puis d'ailleurs, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Puis il dit, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun. Alors, comment peux-tu dire que c'est la faute de Dieu? Problème, c'est toi. Alors, il t'a donné un moyen pour y parvenir. Que Dieu te bénisse. Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est. Et nous revenons toujours à cet homme de Galilée. Amen. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de qui? Du corps de Jésus. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, nous comprendrons maintenant ce qui nous est dit dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. Il nous dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. C'est-à-dire que nous appartenons, nous avons donc la nature à comme nous l'avons vu dans 2 Pierre. Vous suiviez depuis tout ce temps-là? Ne soyez pas absents. Parce que la semoule, vous la mettrez dans votre ventre. Ça ira dans les lieux secrets. Tous ces gens que vous êtes pressés d'aller voir, ils ne vous serviront à rien. Quand vous serez allongés dans le cercueil, oui, mon frère et ma sœur, j'aime Jésus. Amen. C'est pour ça, pensez bien, amen, réfléchissez bien à qui vous devez donner la gloire. Amen. Et donner la première place, amen, dans votre vie. Et ça, mon orgueil, tu en sens qu'on puisse savoir que moi et moi. Et puis quand tu veux que ce soit toi, qu'on puisse voir, qu'on puisse apprécier, qu'on puisse prendre les plus petits, pose-toi un peu la question quand tu t'assieds. Qui es-tu toi-même? D'abord, qu'est-ce que moi j'ai de moi?
Réfléchissez, asseyez-nous, parce que, vous savez, c'est un peu, on vit en fait dans des illusions. On se croit tellement si important, indispensable. Qu'est-ce qui va faire de moi indispensable? Asseyez-vous, posez-vous la question. Il ne faut pas trop rester dans les imaginations de je suis, gloire à Dieu, je suis un fils de Dieu. Pose-toi la question. D'abord, si même je dis je suis un fils de Dieu, de quelle manière suis-je devenu? Assieds-toi dans ta chaise. Je me regarde, Seigneur, vraiment. J'ai dit, fils de Dieu, ça reste un peu dans mon imagination, je me blouille un peu, mais je dois me poser la question. Quand on me dit que j'ai dit que je suis fille de Dieu, je dois quand même avoir la nature de mon Père. Amen. Seigneur, avec ton livre, je regarde, parce que la Bible me dit que tu es la parole de Dieu est Dieu. Et moi, je suis fils de Dieu. J'acclame aux frères et sœurs, alléluia, gloire à Dieu, je chante, je danse, je lis ici. Tu dis ici que si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On va compter un peu ce que la charité est, puis on va examiner 1 Corinthiens chapitre 13. Que Dieu vous bénisse, c'est cela quand même. Alors là, ça va beaucoup nous aider pour que nous comprenions combien l'humilité doit être importante dans notre vie, dans notre cœur. Jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Dit que je suis meilleur à tel, que non, il est mieux que moi. C'est comme ça que Dieu agira davantage avec toi. Alors, on nous dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis un errant qui résonne, une cymbale qui retentit. Ça, je dois bien comprendre. Je parlais en langue, je parlais ceci, je parlais cela. Alors, on me dit, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Quand j'aurai les dons de prophétie, alors là, je peux prophétiser, je peux faire ceci, patati patata, patati patata, patata. Et quand j'aurai même le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas cette chose-là, je ne suis rien. Quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, comme les catholiques, et dit, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. On croit vraiment que Dieu n'est pas intelligent. Hein? Oh, je vais faire des œuvres et payer pour les milices, ceci et cela. On nous a fait payer, je ne sais pas moi, tout, donc, payer ceci, faire ceci, et puis, la carmélite, elle s'est sacrifiée pour les ceci et cela, elle est même allée chez les gens qui sont malades, et puis elle est morte, c'est vraiment une sainte, quelle sainte. On nous dit bien ici, même si je livrais même mon corps, ferait tous les sacrifices qu'il faut effectivement aussi faire. Alors, écoutez bien, dis-moi, cela ne me sert absolument. Donc, quand je veux faire du pain ici, je beurre tout ça, me fais les sandwichs pour donner aux frères, si je n'ai pas la charité. Je ne suis qu'un esprit de trouble. Ah ben oui. Tous les matins, ce que vous faites là, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. C'est terrible, hein? On vient d'apprendre quelque chose, hein? Donc, pour que ça sert à quelque chose, Seigneur, donne-moi la charité pour que mon pain ait la valeur. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Pour ça que l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts. Joindre à votre foi. Ne regardez pas en suivant les autres là. Toi, tu es un fils de Dieu. Les diables veulent t'amener autre part, mais ton Père te ramène là. Alléluia. Amen. Il dit pour que tout acte que tu poses puisse avoir la valeur. Amen. Voilà ce que tu dois être. Amen. Nous avons besoin du Seigneur dans notre vie, mon frère. Comme je l'ai dit cette année-ci, le diable doit être dehors. Mon frère, je vous donne un conseil. Arrêtez de collaborer avec des démons. Vous ne faites pas partie d'eux.
Vous êtes un peuple de Dieu, fils et fille de Dieu. Une décision doit être prise. J'étais négligent, j'avais des raisons pour mon travail, mon ceci, mon salut. Cette année-ci, ah non. Seigneur, travaille ou pas travaille. Vous vous souvenez, un exemple que je vous donnais il y a longtemps de cela. Hein? Puis nous terminerons ici. Hein? Je vais vous laisser parler. Et un frère. Ils avaient une réunion à l'assemblée avec la Sainte-Seine. Ceci, cela, ça c'est un frère. Il dit, moi, la Sainte-Seine, elle a veillé pour partager avec mes frères et sœurs. Jamais je ne peux pas manquer à ça. Aïe, 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 aïe. C'est là que je vais voir si tu es mon frère. Quand toi, tu fouilles tout le temps la Sainte-Seine, la vase des pieds. Je me pose la question, je me pose la question. Quelle communion j'ai avec toi? Parce que c'est là que tu dois voir. Bien sûr. Que Dieu nous aide. Hein. Même si j'avais un problème avec quelqu'un, mon frère et ma soeur, je ne vais pas fouiller la Sainte-Seine. C'est plutôt ce moment-là qui me saisit. J'ai dit, Seigneur, moi ici, le pain que nous partageons, mon Seigneur, moi je vais fouiller. Non! Il dit, je vais chercher la personne. Viens, 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 viens. Aie pitié de moi. Oui, mon frère, parce que je vais prendre part. C'est important, parce que chaque fois que nous le faisons, vous connaissez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mon frère et ma soeur, quelle est la chose qui serait tellement si importante? Boisson? Cigarette? Les femmes? Si c'est les femmes, on peut t'ouvrir un harem. Tu aimes tant, on t'ouvre un harem, et puis après. Combien les hommes sont bêtes, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment. Si. Oui, oh, que Dieu nous aide. Vous, frères et sœurs, vous voulez comparer ce Jésus de Nazareth avec qui et avec quoi? Oh frère, je sais que dans ma maison, ça ne va pas du tout. Je comprends que vraiment, il y a des situations telles que dans la maison, ça n'aille pas. Et tu dois savoir qu'effectivement, que le jour où tu as dit oui au Seigneur, tu es entré dans le combat. Que Dieu bénisse ma sœur Carole. Je l'ai connue quand j'étais en voyage missionnaire. Pas au Canada. Non, non. C'était en Espagne. J'étais au salon, comme je voyageais, évidemment, aussi j'avais me donné ce privilège, effectivement, pour accompagner Ryan, que je pouvais être dans des salons où je pouvais me reposer. Et j'avais accès aux ordinateurs et j'ai consulté mes mails aussi. Et c'est à ce moment-là que je vois Carole Lafrédière qui m'envoie un mail pour la première fois. Je l'ai. C'est à ce moment-là qu'elle me rend son témoignage. Comment il a parvenu à pouvoir entrer en contact. C'était dur, en fait. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Elle passait un moment tellement difficile dans sa propre vie parce qu'elle avait connu le Seigneur dans l'assemblée où il était, effectivement, puis les choses ont tourné. Elle était à la maison, mais son cœur n'était pas tranquille. Et... ah, c'est long. Que Dieu te bénisse. Regardez bien, quand Dieu l'a ramené,
Il a trouvé le lieu que Dieu lui donnait, la place. Et ça, c'est par Internet. Elle est restée accrochée. Et pourtant, à la maison chez elle, c'était la flamme. Hein? Et vous n'avez jamais rendu son témoignage vraiment en long, en large. Vous pleurerez. Mais elle est toujours restée accrochée. Voilà, 10 années. Et puis pendant ce temps-là qu'elle s'est donnée ainsi à la parole de Dieu, combat aussi son mari à la maison, c'était vivant la monde. Elle, ce qui est merveilleux avec ma soeur Carole, c'est qu'on a... Bon, elle me disait presque tout dans sa vie. La confiance qu'elle avait en moi, je dis, elle ne m'avait jamais vu de visu, en fait, c'est-à-dire qu'être proche, mais de loin. Dieu a placé cela dans son cœur, dans tout le domaine. Oui, sœur Carole. Elle me parlait de tout. C'est comme ça qu'elle s'est libérée et que Dieu délivrait aussi la personne. Elle me cachait, quand je dis bien rien, rien, rien. Et puis, pourquoi j'ai donné son témoignage? Oh, regardez bien. La maison, ça n'allait pas, mais elle a eu le désir. J'ai dit, Seigneur, m'a conduit, je veux venir en Belgique. Vous connaissez? Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que, donc, toute sa vie, à moins que je me trompe, elle va me corriger, elle n'avait jamais pris d'avion. Mais pour la première fois dans sa vie, elle devait quitter son pays, le Canada. Et venir où? Dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Oh non, 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 non. Vers des gens qu'elle n'avait jamais connus. Que Dieu te bénisse. Oh non, 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 non. Et cela, en tiraillement avec son mari. Mais elle a dit, et parce que, mais tu n'as jamais été, tu connais même pas ces gens, tu prends un vol de chez nous ici, pour la première fois dans ta vie, prendre un avion, et puis aller là-bas. C'est un cousin, je comprenais bien, mais là-bas. Vous ne pouvez pas imaginer les sacrifices que beaucoup de frères et sœurs consentent dans la vie. Tiraillement, tiraillement, elle a dit, moi j'irai. Tu es grand. Merveilleux. C'est comme ça que vous avez vu sœur Carole pour la première fois, ici, dans votre assemblée. Qui pour elle, malgré que vous ne la voyez pas, c'était son assemblée. Okay. Vous connaissez déjà, visu, chacun de vous, enfin, dans, sur Internet, elle connaissait la place de tout un chacun, elle voyait qui ça, c'était son assemblée. Et tout son cœur s'y accroché. Et alors, quand elle est venue, ici, son mari a dit, c'est pas possible. Comment est-ce possible que tu puisses quitter et partir là-bas? Et puis, je pense qu'elle n'avait jamais laissé son mari. Hein? Mais à cause de l'évangile, à cause de ce Jésus de Nazareth, malgré les combats qu'elle avait, ils ont dit, moi, j'irai. Elle est venue ici, seule, témoignant de ce que Dieu a fait dans sa vie, la grâce que Dieu a accordée, même dit, c'est touchant quand même. Laissant son mari pour la première fois dans sa vie, prenant l'avion pour la première fois, quittant son mari pour la première fois, venir dans un pays de gens qu'il n'avait jamais eu à pouvoir voir, même passer un temps avec eux, mais pour la première fois à cause de l'évangile. Frères et sœurs, Dieu vous jugera. Vous ne vous rendez pas compte de combien de personnes de par le monde voudraient s'asseoir là. Vous ne le croyez pas, mais c'est vrai. Vous avez un témoignage, il est là. S'asseoir à votre place. Parce qu'il y a des ceux-là qui vous disent, mais je ne comprends pas, ils sont là, assis, et ils sont comme ça. Je dis, c'est pas possible. Nous, nous soupirons, nous prions. Oui, monsieur, oui, madame, nous pleurons. Regardez, tout à l'heure, avant que je vienne ici, dans mon bureau, notre frère Salem est venu parce que ça brûlait dans son cœur. Dieu est grand. Et Dieu a sa façon de faire des choses merveilleuses. Je termine, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il vient, il me dit, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je te rende ce témoignage.
J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai vu mon beau-père. Il me regarde et dit, mais Salem, toi, tu ne vas pas à l'église, hein? Il dit, parce que je ne t'ai pas vu à l'église. Alors il dit, mais tu ne m'as pas vu à l'église? Oui. Mardi, tu n'étais pas à l'église. J'ai dit, tu n'étais pas à l'église. Il dit, mais de quelle église tu parles? Il dit, mais tu ne vas pas à l'église. Il faut aller à l'église. Tu n'étais pas là. Je t'ai regardé, tu ne voyais pas. Il dit, parce que. Et Dieu te bénisse pour ton travail que tu fais sans te rendre compte. Il me dit, mais quand la caméra. Parce que la caméra woman, hein? Ah ben oui. Quand la caméra woman passe la caméra, elle le fait comme. Non, elle ne se rend pas compte. Il dit, moi je regarde tout le monde, hein. Mais toi, Salem, je ne te vois pas. Il me dit, quelle église? Il dit, mais. Depuis que votre pasteur a porté le sermon là, le jour de mariage, que j'étais venu là, moi ici, c'était terminé. Alléluia. Quand je suis rentré, j'ai dit, c'est là mon église. Amen. Donc depuis ces jours-là, il s'appelle Freddy. Depuis, vous ne vous rendez pas compte, frère. Et depuis ces jours-là, mardi, j'ai dit, ils sont toujours connectés. Et toi? Alors, je crois que Salem a failli tomber par terre. Il dit, mon beau-père, toi, il dit, oui, Salem. Alors, parce que Salem me dit, il était dans les choses de Hollande, il a voulu, non. Il dit, mais maintenant, quand il écoute la parole, les autres, il dit, il fait comme s'il fait Salem. Salem pour dire que toi et moi, nous sommes dans la même église. Frère et soeur, juste par le mariage, simplement, on a entendu un sermon. C'était terminé. Il y a beaucoup qui sont connectés que vous ne vous rendez pas compte. Qui vous regardent. Vous ne vous rendez pas compte de autant de personnes qui sont connectées de par le monde, qui vous observent dans le moins de détails. Parce qu'ils disent que si nous, au loin, cette parole nous transforme, mais alors, ceux qui sont assis là. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons par 1 Corinthiens chapitre 13 et puis nous allons prier. Il dit ici donc, verset 4, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité ne point envieuse. La charité ne se vante et ne s'enfle point et ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, la parole de Dieu. Elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Alors ça, regarde-toi. Assieds-toi dans ton cœur. Observe chaque caractéristique que produit donc la charité. Parce que la charité, en fait, c'est l'amour de Dieu. L'agapao. Cet agapao ne peut venir en vous que quand Jésus le Christ, qui est donc l'amour de Dieu, entre dans votre. Et comment est-ce que Jésus le Christ. Je termine. Peut-il entrer? La justification, c'est quand tu dis, je l'ai reçu, je crois en lui, c'est n'est pas normal. Mais dans la justification, vous me suivez, est-ce qu'il est là? C'est l'œuvre simplement du... Oui, bien sûr, c'est la vérité, ça. Il n'est pas là. La sanctification, il n'est pas là. D'ailleurs, vous entendez qu'en sanctification, il nettoie, non? Il ne peut pas être dans les saletés. Soyez conscients de ce que vous entendez. Donc là-dedans, on doit nettoyer. Et comment est-ce que tu es sanctifié? Sanctifie-les par. Mais si toi, tu n'aimes pas la parole,
argumenter et que tu n'aimes pas surtout Jésus le Christ. Tu aimes des hommes, tu aimes élever, tu aimes célébrer, tu aimes toujours. En fait, tu t'aimes toi-même, en fait. Moi, je pense, moi, je sais, on n'a pas besoin de toi, en fait. Le témoin fidèle dit toujours, ne ment pas hein, la vérité, mais le faux témoin, il dit, voilà. Alors toi, tu dois savoir que tu es un faux témoin. Dites, mes frères, comment tu peux, tu genre, oh, si nous pouvons avoir les temps. Oh, regardez très bien. Pour être un vrai témoin, est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes fatigué? Non. Bah, j'ai dit que j'allais m'arrêter. Vous voyez que ce n'est pas facile. J'ai fait tout quand même pour arriver. Pour que vous sortiez. Je vérifie le temps. Je ne veux pas vous retenir comme la fois passée. La fois passée, j'en avais besoin. Il fallait que je respire aussi. Que mon cœur exprime aussi. Je devais. Même si vous étiez fâché, je devais. Ça, je ne pouvais pas ne pas le faire. Je lui dois des remerciements pour tout ce qu'il fait. Ça, je dois être reconnaissant Dieu pour l'importance qu'il m'a donné d'avoir chaque frère, chaque sœur. Pour moi, ils sont précieux. Donc je dois lui dire vraiment merci. Si ça vous a ennuyé, pardonnez-moi. Mais moi, non. J'étais heureux de dire merci au Seigneur, de reconnaître la grâce qu'il m'a accordée de me donner chaque frère, chaque sœur et des dons qu'il a donnés. Frère, il faut que je sois reconnaissant. Aujourd'hui, dans différents pays, les gens apprécient vos cantiques. Pas parce que vous êtes experts, non. Mais c'est la grâce de Dieu qu'il a donné des dons, instruments et tout ça ici. Je dois lui dire merci. Parce que s'il retire cela, ce sera du vide. Alors moi, je dois être reconnaissant. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous protège et qu'il vous soutienne. Qu'il vous donne effectivement ce que votre cœur désire. Et voilà, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, aujourd'hui encore nous nous approchons de ton trône de grâce pour te dire merci. Merci encore pour ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour cette grâce, pour cet amour que tu nous as témoigné et manifesté, mon Sauveur. Nous voulons vivre pour toi, pour te servir. Et, oh Dieu, dans ce temps, dans cette année, dans cette période, notre désir, c'est de pouvoir vraiment te donner la gloire qui t'est due, l'honneur qui t'est dû, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment précieux pour chacun de nous, Père Saint-Dieu. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je prie pour les enfants que tu nous as donnés, les petits-enfants aussi. Également, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous voulons les élever dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas toucher, Père, à ceux-là que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir. Mon Dieu d'amour, je te remercie parce que c'est toi qui prends soin, c'est toi qui, Père Saint-Dieu, pourvois pour le besoin de chacun de nous, Père Saint-Dieu. Nous te remercions encore en ce jour, nous a donné, Père Saint-Dieu, d'être à toi et pouvoir vivre pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes grandes compassions, mon Sauveur béni. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire, mon roi. Merci pour chaque frère que tu nous as donné. Merci pour chaque sœur que tu nous as donné, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons nous examiner, mon maître béni. Oui, Jésus-Christ, mon roi et mon sauveur, je t'en supplie. Viens-nous donc en aide, mon roi. Que tu puisses vraiment t'abernacler dans chacun de nos pères. Comme tu l'as dit, c'est lui, oh Père Saint-Dieu, qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons avoir cet amour divin dans notre cœur, la miséricorde, bien-aimé Père Saint-Dieu, la compassion, oh Dieu, à l'endroit de mon frère et de ma soeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci parce que tu es vivant, mon sauveur. Bénis aussi nos frères et soeurs, notre frère Freddy aussi, par qu'il soit béni. Fortifié par toi, mon cœur a été touché. Va voir que tu nous as donné un frère, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tous nos bien-aimés frères et sœurs, partout où ils sont, qui sont en connexion,
dans différents pays, différents endroits, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je prie pour ceux qui sont là-bas, Myanmar, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ils ont besoin de nous, bénévole Père Tissant. Nous prions pour chacun, Seigneur. Oh Dieu, dans chaque lieu où ta parole a été prêchée, Père, oh Dieu, où ton peuple, Père, s'accroche à toi. Je te remercie parce que nous sommes bel et véritable, mon roi. Merci parce que tu es notre Dieu. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci pour ta bonté. Merci réellement pour ton amour et tes grandes compassions. Merci encore, mon Sauveur. Merci encore, mon Seigneur Jésus. Garde-nous, Père, et soutiens-nous. Merci. Merci pour ta bonté. Pardonne-nous. Aide-nous à être droit dans tout ce que nous devons faire. Pardon. Pardon, Père. Tu es le roi que nous aimons et nous voulons tendre à ce qui est parfait. Merci pour tout. Garde ton peuple. Merci. Merci, Sauveur. Gloire à toi. Oui, mon Père Saint. Garde ta fille et ta servante, mon roi. Rien ne peut lui nuire, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui guérit totalement et parfaitement, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ta paix soit avec nous, oui, Père. Nous te remercions encore. Merci. Merci. Oh, Jésus. Merci encore. Louange et honneur à toi encore en ce jour. Merveilleux et parfait pour tout ce que tu fais, mon Sauveur. Sois béni, sois exalté. Nous revenons à toi et de tout notre cœur, mon roi. Oh oui, comme tu l'as dit dans ta parole, les ailes de ta maison me dévorent, mon Sauveur. Merci, merci. Revenons pour pouvoir te servir. Merci. Bénis ton peuple. Merci pour ta bonté, pour ce jour, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Oh oui, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, je pense que... Ah oui, 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 ce jeune homme, que Dieu le bénisse. Je crois que... Oui, 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 je suis très heureux de pouvoir te voir. C'est vrai qu'en ce moment, je ne voyais pas tellement très bien. Mais je voudrais bien que... C'est toi, Lise? Oh! Mon grand, viens, s'il te plaît. La chorale, hein? Vous chantez Graël, les cantiques là, que vous avez chanté, ça venait encore. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Tu connais, non? Oh, si, si. Ah oui, mon grand. Thank you.
Seigneur, sois ma louange, sois mon sauveur, sois mon Seigneur, mon Saint-Seigneur.